Ce n'est certainement pas en se réclamant d'exigences minimales pour la vie en société qu'on pourra faire reculer une idéologie aussi forte, aussi puissante et aussi déterminée que l'islamisme radical. Il faudrait au contraire des exigences maximales pour la vie en société, il faudrait au contraire euh, être certain de ce en quoi nous croyons euh, les droits de l'homme, la république, l'égalité des hommes et des femmes et le fait euh, de croire dans le destin euh, et dans la force de la nation française. Voilà pour euh, la première limite de ce dispositif. Il n'y a aucun contre-discours, il n'y a aucune contre-idéologie, il n'y a aucune contre-propagande. Or, on ne peut, l'histoire l'a montré, faire reculer le totalitarisme qu'en comprenant ce qui fait sa force.